Bonjour à tous, c'est MaxicamFR, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Tracteur Cross ou Moissebat Cross ou tout ce que vous voulez avec Lucas, salut. Salut. Et puis aujourd'hui, donc, encore une fois de plus, on va s'éclater ensemble. Le but, c'est pas d'être réaliste, c'est pas de cultiver très bien et tout ça. Le but, c'est de s'éclater, de se marrer, de se détendre. Donc c'est parti, on va commencer tranquillement. Et puis, on est rendu à exactement, au moment où je tourne la vidéo, 999 abonnés. Donc, vous connaissez, je pense, ce qu'on va dire dans la prochaine vidéo. Allez. Prêt? Quand tu veux, Dédé. Donc, je rappelle pour ceux donc déjà qui n'ont pas vu l'épisode 1, allez voir l'épisode 1. Et puis, donc, au bout de 4 coups de klaxon, on démarre. Et premier rendu au bout, et donc je vais vous parler des obstacles ensuite. Allez, prêt? Ouais. Voilà, départ parfait pour nous deux. Bon, j'ai un petit désavantage, je suis dans le virage extérieur et je viens de me faire péter la gueule. T'as tout compris. Bon, là je suis obligé de le laisser passer parce que je sais qu'il ne me laissera pas passer. Aïe le chacal. Je sais qu'il ne me laissera pas passer. Donc, je suis obligé de le laisser passer. Aïe caramba, les caramba. C'est ça. C'est parti mon kiki. Donc pour l'instant on course très serré, mais bon, c'est un peu normal, on est au début. Ouh. Oh. Posaï. Je suis pas posaï. Donc regardez-moi ça. Oh day. Oui, ben là oui, tu l'as dit. Oh day. T'as besoin d'aide? Non. Non, je comptais le descendre tout seul avec la force de mes mains. Et regardez-moi ça. Oh, day. Vas-y, Dédé, viens me... Débloquer. Ah, bien joué la suite. Camille, compositeur... Je crois que ça fait 15 fois. Oh, de toute façon, maintenant, ils le connaissent. Hein. Oui, maintenant, c'est bon. Maintenant, vous secret. Me connaissez. Au moins, moi, on sait que je m'appelle Lucas. Voilà. Bon. On va y arriver ou jamais? Ne dis pas que je suis bloqué. C'est bon. Maintenant, tout le monde me connaissez. Bon, bah, peut-être qu'on va être obligé d'aller chercher le télescope. Ouais, j'espère pas. Il y a du progrès. Léger, mais du progrès. Le progrès nous appartient? Non? Oui. À la rigueur. À la rigueur, ouais. Ah, encore un coup, et puis ça devrait être bon. Ouais, je pense aussi. Pas dans ce sens-là. Bon, ça commence bien. Oh non, non, le Dédé. Moi, j'aurais pas fait dans ce sens-là. Non, faut que je fasse comme ça. Les experts du déblocage. Heureusement qu'on a tout notre temps. Parce que... Oui, heureusement. Mais bon, j'aurais dû faire une ellipse en fait. Bah tiens, on va faire une ellipse. Allez, j'aurais dû faire une petite pause. Bon, je fais une ellipse. Ouais, vas-y. Allez, ellipse, on se retrouve dans 2 secondes. Désolé. Bon, voilà. Maintenant qu'on est décoincé, on repart. On a mis 5 minutes. Je suis décoincé. Oui. Il y a une différence. Donc, on repart. Oh, pff. Mais regardez-moi ce bourrin un peu. Dégage, gros porc. Regardez-moi ce porc un peu. Ouh, ça passe, poseille. Voilà, ça y est, je l'ai débloqué, mais non, faut, je l'ai attendu et tout, mais non, faut qu'il me redépensaille. Je m'en bats les couilles. Bah ça, j'ai remarqué, oui. C'est parti, la course vient juste de t'essayes démarrer. De pas te replanter à ce coup-là. Mais pas de soucis, pépé. Oh, j'ai frotté la roue. T'es loin derrière moi ou t'es pas loin? Moyen, je pense. Oh, bah de toute façon, je suis peut-être pas bloqué, mais
Mais non, t'es pas bloqué, dis-moi pas ça. Bah, non. Bon, la dernière fois, c'est qui avait gagné en score? Je crois que j'avais gagné une partie et toi deux. Voilà, c'est ça. Il me Ce serait semble pas qu'il y mal, avait c'est deux. que Hein. je. Ce qui serait pas mal, c'est que je regagne une fois là. Oh là! Oui, puis après, on se ferait la belle éventuellement en mousse bête. J'ai Driftail! Et ce serait Oh. parfait. Le problème, c'est que. Moi, se battre, c'est chaud. Oui, mousse bête, c'est très chaud. Enfin, c'est comme les faucheuses, je trouve. C'est C'est chaud, du même patatose. niveau. Oui, C'est bah là, oui. chaud, patatose. Oui. Wouh! J'étais en train de regarder ce que. J'étais en train de pas regarder ce que je faisais. Ah, mais c'est bon, j'ai de l'avance là. Pouf! Oh, t'as 50 mètres d'avance, frère. Je roulais tranquille. Peut-être pas trop non plus, mais. Ah, si tu peux rouler tranquille. Surtout, Non, je me non. suis bloqué. Ça y est. Bon, je propose un truc. Re-ellipse. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. J'allais dire un truc. Oui, vas-y. Non, non, je propose que. Non, allez, je reviens. Ellipse. Bon, voilà. Après une bonne séance de déblocage, on repart. Allez, c'est bon, tu peux repartir. Oh bah On je t'attends un repart. peu tellement d'avance que c'est trop facile après. Bah oui. Non mais là, il a de l'avance là. En Pouh! principe, si tout va bien, s'il se plante pas de trop, je vais perdre. Y a de la glisse ici, y a de la glisse. Ouais, je prends mes virages au frein. Moi c'est les sports d'hiver, hein. Pardon. Oui, si tu veux. À la rigueur. D'ailleurs, à propos de sport d'hiver, j'y vais pas cette année. J'y suis allé l'an dernier. Ah non Et je... mais ça Osef hein. Voilà. Ah ben je sais pas, moi je cherche un sujet. Bon alors je te raconte pas ma vie mais bon ma soeur a chié dans son froid qu'elle avait la chiasse toute la journée. Bon comment te dire c'était une bonne journée quoi. C'était tellement nul. Je crois que j'ai même pas le droit de rigoler. Pourtant tu souris. Oui. Et oui c'est le passage des J'aurais dit monts. encore un truc nul, mais non. C'est le passage des montagnes russes J'aurais dit sur encore un truc nul, mais non, ça se fait pas. Poiré à Luna Park. Oh! Bah, t'as pensé les monter, là? Ah oui! Poseille? Ah, Poseil! Poseil! Oh, Poseil! Là, j'ai failli faire le PDI, là! Ah merde, je me suis bloqué! Bah, attends, j'arrive. Non, c'est. Non, non, en fait, non, c'est pas vrai! Putain, y a pas assez de puissance! Ah bah non, mais les faucheuses, ça a pas de puissance, ça. Et en marche arrière, ça puissance pas! Ah si, c'est bon! Et je me suis bloqué, super. Encore? Bah, je suis pas bloqué, mais j'arrive pas à monter, quoi. T'es une grosse. Ah oui, bah ça, oui, ça. Bip! Ah bah, je me suis retourné. Bon, voilà, super. Bon, je vais essayer de pas faire d'ellipse. T'es une boule! Oui, je sais, il y a plein de trucs dans la partie, c'est normal. Il y a plein de véhicules. Il y a même des tests de mode, il y a tout bon, tu m'attendras quand même pendant que je me débloque. Ah pardon, moi j'étais en train de rouler comme un fou. Ouais, je me doute bien, bah de toute façon t'as gagné. Donc... Ah il l'avoue, il l'avoue. Ah bah je peux pas faire grand chose d'autre là. Je Vu vais comment essayer je de suis. Eh rouler. bah attends, je suis retourné sur le toit. Donc... Tu Comme me dis ça, quand t'es vous allez débloqué. voir une séance de déblocage au télescopique. Parce que oui, on laisse toujours traîner un télescopique pas loin, comme ça, on est sûr de pouvoir se débloquer. Oh. On va regarder où il est en attendant. Ah oui, d'accord, il avance. Je crois qu'on va pouvoir. J'essaie de m'amuser sur la route, j'essaie de rouler à fond. Ouais, c'est ce que je vois. Il s'éclate. Ben en t'attendant, ouais, j'ai que ça à faire. Ben, je me doute. Je m'éclate la boule. Moi, j'essaie de me débloquer. Enfin, pas encore. Ah, je suis à 100 là, je suis à 100. Mais comme j'ai glissé Je suis à avec le 120. télesco, Je suis à 120. Ouh, bah ouh, en principe hurlant. tu peux monter jusqu'à 133. Le truc de Sébastien Loeb. Ouais, j'ai le limitateur, il me dit 133. Oh, putain, ça glisse trop bien. Genre, ça glisse. Bah oui, ça les faucheuses. Ça glisse, mais maîtrisé, tu vois. Ou alors, Oui, c'est que bah j'ai eu c'est un ce que je coup. faisais dans le biogaz, mais là j'ai pas fait maîtriser tout à l'heure. C'est que j'ai eu un coup de bol. Mais Voilà, ça y est, j'ai retourné ma faucheuse. Maintenant, faut que je la débloque. Faut que j'arrive à la débloquer maintenant. Bon, on dira rien.
Je vais prendre une autre solution pour la débloquer, je vais la monter au télescope. Je vais venir voir où t'es quand même, parce que t'es tellement une... Viens avec le télescope, tu vas m'aider. Oh le bourrin. J'arrive. Oh mieux. T'as le télescope? Attends. Il est en train de se balader, voilà. Allez, tiens, pousse. Ok, qui c'est qui est le con qui l'a éteint? Moi? Pourquoi? Ah bah, il est pas très fin. Non, franchement. Attends. Allez, pousse. Et qu'est-ce que je fais, là? J'enfile des perles, peut-être? Ah. Ah, putain, pas encore. Merci. On dit merci qui? Oh putain, qui est couille, il va pas arriver à monter hein. Non. Là, merci, c'est bon. Allez. C'est ce qui s'appelle un coup de pouce. Allez, je t'attends quand même. Oh vas-y, vas-y, vu l'avance que j'ai, on pourra. Ah non, ok, d'accord. J'ai fait le con quand même. Parce que j'ai dit je t'attends, donc du coup je me suis arrêté, mais maintenant j'arrive plus à redémarrer. Mais... Ça y est, c'est bon. J'ai réussi. Mais où ma satanée faucheuse là? C'est la satanée fausseuse de Satanas, non? Je suis rebloqué, donc je pense qu'on va compter comme tu as gagné. T'es encore Keblo? Oui. Donc je suppose qu'on va dire que t'as gagné. Mais t'es trop nul avec les faucheuses, toi. Ah oui, oui, non, moi et les faucheuses, mais ça fait on arrête les faucheuses, parce que t'es vraiment une quichasse, donc plus subjonctif, je dirais. Oui. Oh là là. Tiens, pour une fois que je t'avais défoncé, quoi. Non, là, c'était c'est littéral. Bon. Là, t'as gagné. Là. Littéral. Bon, il est où ce cas social là, encore? J'arriverai à me débloquer? Peut-être? Putain, je suis débloqué. C'est vrai? Oh, c'est incroyable. Excusez-moi. Ah, bon, fini alors? Ah, bah oui. Attends. Ouais, non, m'attends pas. C'est pas grave, ça sera plus drôle la vidéo. Même oui. si je perds, j'en ai rien à foutre. Et il sort de nulle part. Bonsoir. Ah, le virage quoi. Bon, je vais te laisser gagner de toute façon. Non, tu joues. Bon, ça se fait pas. Si tu perds, ça se fait pas. Il est foufou là, Praline. Là, je suis à 100 là. 104. Je suis à 107, 111. Je suis à 80. 90, 100, 108. Bonsoir. Regardez-moi ça un peu, non mais c'est... Oh la chance que j'ai eue. Plus pour longtemps, mon cher Gaspard. Oh merde, je me suis glissé. Ah ben moi, là je me suis bien débrouillé dans le virage, par... enfin dans le virage, oui bien sûr, dans le virage. Faut pas que je me bloque. Je vais essayer de pas me bloquer dans le village. Sinon j'aurai un peu l'air. D'une couille. Voilà. T'es un imbécile de première place. Mais non, la déception de mourir. Allez, faut accélérer, ma petite faucheuse des bois là. Une faucheuse des bois, mais oui, bien sûr. Il s'est bloqué, il s'est kéblo. C'est ce qu'il faut se dire. Ouh, il est bâtard. Wow. Et une sauter de la muerte. Il est mauvais ce garçon, il est mauvais. Oh, mais regarde. Il est pas loin lui derrière. Allez là, vas-y, j'écrase ma pédale. Moi aussi, je peux te le dire. Hein? Moi aussi. Par toi, c'est pas une pédale, c'est un bouton. Oui. Et boum, mon gars. Oh, je vais pas le laisser passer. Ça, c'est ce que tu crois, toi. Oh, il a réussi. Non. Ah oui. Et c'est qui le papa? C'est qui le papounet? C'est Bibi. Et non, tu ne passeras pas. Et un quart d'heure pour faire une course de faucheuse quand même. Passe de putois. Ça passe. Un quart d'heure pour faire une course de faucheuse. Non. Oh non, mais c'est pas vrai. Je me suis fait entuber. J'ai dit pareil à la pompe d'art plastique. Allez hop, casse-toi. Non, il va pas oser quand même.
Tu vas aller te faire... Et profondément en plus. Oui. Ah, je me suis bloqué. Bloqué, blocage. Oh, mais c'est tellement mignon ça, mon petit Camille. Oh, il est bien mignon, hein. Allez. Heureux. Et je me suis bloqué. Oh. La marche arrière, elle passe pas très bien sur ces cochons. Tu recules ou faut que je t'aide? Faut que tu m'aides. Mais non, mais passe la marche arrière aussi. Mais c'est ce que je fais. Attends, tu... Évidemment, là, t'es une grosse... Quiche. Ouais, à peu près, ouais. Oh non, mais me dis pas qu'on va pas arriver à faire la course, finir la course, là, j'avais gagné. Non, mais Ellipse, on se retrouve avec les moissonneuses après, et puis, bon... Ouais, déclaré gagné, comme dire. Gagnant, Lucas, c'est bon. Allez, yeah, Ellipse, on se retrouve dans 5 minutes. Ouais. Bon, allez, c'est parti. On recommence. Allez, mais... t'es prêt? Ouais. Allez. C'est donc maintenant on est parti avec des moissonneuses phares modifiées pour aller à 99 km/h. Choubiloubilou, et la merde. Non, je suis pas bloqué, non. Oh, yeah. Ah, ben voilà mon cher, c'est ça que j'attendais moi. Non, mais pas comme ça, non, pas par le côté quand même. Tout, mais pas par le côté. Allez, non, je suis pas d'accord. Allez, bolos, va. Et comment passer tranquillement? Comas, eh ben non, il est pas passé. Il est pas passé. Il est pas touché. Là, c'est celui qui fait demi-tour le plus vite en fait. Hurli papa sur le chihuahua. Non, mais me suis fait. Oh, la chance que j'ai. Je vous raconte pas la chance que j'ai. Bon, du coup, ce sera une vidéo de 30 minutes aujourd'hui. Oh non. Oui. This is haha. Poum, mon gars. Poum. Oh non. Tu recules ou faut que je t'aide? C'est vraiment un chacal ce monsieur. Hein. Je vous le dis, ah merde, je me suis bloqué. Tu peux venir m'aider? Oui. C'est vrai, en plus. C'est vrai, je me suis bloqué, regarde. Il veut plus avancer, là, les grelottes. Ah, il est bien mis. Encore un peu? Ah non, c'est bon. Non. Entubage professionnel. Je te passe! Ah non, mais les courses de moi se battent, mais c'est n'importe quoi. C'est... Bon, on s'excuse, hein, ça fera 30 minutes. Mais... Pas grave. Au contraire, on s'éclate. Sur le Oh, la chance qu'il a eu celui-là. La chance qu'il a eu, moi, je vous dis. C'est un virage. Oh, faux, ce que je lui ai fait manger. Oh, la pauvre moi se bat. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je vous dis, il a de la chance. Heureusement qu'on n'est pas dans la vraie vie, sinon elle serait déjà tombée en pièces molles. Ouais, là, c'est pire que du moi se bat cross. Là, c'est... En pièces molles. Est-ce que tu connaissais ça, les pièces molles? Non, je pense pas. À part des jouets en caoutchouc, je vois pas. Non, moi non plus. Et c'est parti, mon gars, la vitesse de Bézeille. Ouh, là, il y a du drift dans les ruches. Drift dans les ruches. Oh, les pauvres abeilles. Je passe tellement vite. Il est en train de buter les abeilles. Je fais peur aux abeilles. En fait, tous les abonnés vont croire qu'on est des vrais ours à force de bouffer du miel. Ouais, on fait que ça. Au fait, tu gagnes un peu d'argent avec les abeilles ou quoi? Ouais. C'est vrai? Si c'est 80€ par jour, un truc dans le genre, je sais plus. Avec chaque truc d'abeille? Ouais. Ouf. On va être riche, on en a, je sais plus, 2000, je crois. Avec le nombre de ruches qu'on a, on va pouvoir faire une industrie de pots de miel. Faudrait qu'on regarde à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Du miel. Du miel, plein de miel. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du miel? Des pots. Oh, ça c'était nul ça. Ah non, mais là je me plante, je suis nul là aujourd'hui. Ah bah qu'est-ce que vous voulez, hein, il y a des jours sans, il y a des jours avec et des jours sans, hein, comme dirait l'autre. Ouais, heureusement qu'on va se faire un troisième épisode pour que j'essaye de me rattraper. Ah non, mais c'est du drift, mais dans la forêt c'est inconduisible, les Mosbet. Ou faut que je roule plus doucement, je sais pas. Yes, mon gars, c'est passé ça. Ah quand même. Hein? Ah quand même.
Ah ben oui, mon gars, j'ai eu de la chance, ma roue elle était en train de partir dans la fente, tu sais. La fente. Les fentes, les fentes. Oui, comme dans la tirelire. Non. Mais je rattrape le truc, alors on dit rien. Eh, BD, je me suis bloqué, mais c'est pas possible. Eh, il va pas y arriver, il va pas y arriver ce moteur, hein. Moteur, je sais pas combien de chevaux là. C'est un moteur pas à pas, mon coup. Ouais, je sais plus, mais c'est même pas 100 chevaux le moteur. Vas-y, Jackie. Vas-y, Jacqueline. Aïe, je me suis planté dans la barrière, mais j'y crois pas. Vas-y, Jacqueline. Montre-nous, t'es. Tu peux me pousser? De quoi? Me pousser. Ah, mais non. Eh, mais non. Eh, merde. Eh, merde de merde, je me suis fait griller. Je me suis fait griller la poire. Non, c'est abusé, ça, t'as pas le droit de faire ça, Kenny. Et... Et allez, grosse bite, va. Et oui, non, 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 c'est abusé, ça, non, non. Mais non, mais c'est interdit, ça. C'est interdit par le code de la route. Mais putain, je me suis kéblo. Non, non, t'as pas le droit. Je me suis kéblo, viens m'aider. Allez, tu t'es retourné, grande frite, va. Regardez-le rager un peu. Les moissonneuses, ça tourne tranquillement, ça. Faut juste pas accélérer quand tu tournes. Mais c'est ça, en fait. Ah, c'est un peu comme un kart, quoi. C'est pire. Oh non, mais non, je me suis retourné. Mais ça, le mec, là, il dit... Surtout, quand tu tournes, faut pas accélérer, hein. Bah non, bah qu'est-ce que tu fais, alors, espèce d'en... espèce d'empalé. Allez, grande ch'tic, va. Et j'espère que t'as mal. Parce que moi j'ai pas mal. J'ai pas mal, moi. J'en fous, moi. J'espère que je suis bloqué. Déplie ta vis. Ouais, tu vas faire que le mec il déplie sa vis en l'air. Déplie ta vis, tu crois que ça va faire quoi? On va attirer la foudre, c'est tout ce qu'on va attirer. On va chercher le télescope, hein. Ouais. Là il est à côté. Ah merde. Merde. Bon, ellipse, on se retrouve. Bon, allez. Après ce déblocage de l'extrême, non, recommence pas ta connerie, toi. Bah non, je recommence pas, je te mets juste dans la mouise. Non, mais je vais le tuer, celui-là, c'est pas possible. Ah, il me bloque, et en plus, il passe avec 30 mètres d'avance, quoi. Il faudrait me rattraper, déjà, pour le tuer. J'aime bien narguer les gens, comme ça. Souvent, ça fait monter un peu la pression. Il était en train de rager, il y a... Allez, une minute. La pression dans la peau. Moi, j'ai la pression dans la peau, là. Moi je suis concentré comme le lait, moi. Non, mais il va sortir, lui. À propos de sortir, c'est moi qui ai failli sortir du parcours. T'es arrivé à combien derrière moi là? Le mec il est arrivé à 200 km/h. Ah, mais c'est ça, j'étais à 80. Ça. Et oui, c'est l'avantage, l'enceinte trompe qui pète le peloton. Il pète, j'allais dire autre chose. Je me doute bien. Qui pète son shirt. Non, déconne. Allez là! Putain! Heureusement qu'il y a un klaxon là-dessus! Vive les mariés! C'est ça! Et encore une blague de merde! Et non, je me suis retourné! C'est le tête à queue magnifique! Et oui, moi je me suis bloqué! Parce que vous le valez bien! Il prend de l'avance et il refait un double tête à queue. Et il est très fort, il est très fort. Il est très fort avec la tête. Surtout avec la... C'était tellement nul, je suis obligé de rigoler. Sinon, il va être vexé, frère. Oui, il va être vexé. Surtout que j'arrive à me... Non, mais je suis bloqué, moi. J'arrive à faire un tête à queue en plein dans une ligne droite, quand même. Donc, faut être assez doué. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait pareil tout à l'heure. Faut avoir le skill, sinon... Non, mais là je suis bloqué de toute façon, bloqué. Encore? Mais mec! Ah bah tout à l'heure c'est toi qui m'as bloqué. Moi? Et moi je bloque personne, moi, je suis un débloqueur, moi. Je débloque tout le temps la situation. Bon, allez. Ellipse! C'est ça! Bon, voilà, après ce déblocage de 30 secondes,
Par qui? Par Bibi? Voilà, je sais pas comment il a fait. Moi non plus. Même lui, il sait pas comment il a fait. Et bah, on va continuer tranquillement. D'ailleurs, on était en train de se dire que la prochaine fois, on ferait peut-être des parcours plus simples. Ouais. Si jamais on le fait avec vous, que toutes les 30 secondes, on soit pas en train de débloquer un abonné coincé entre deux ruches, et en train même de se bouffer du miel et en train de se faire piquer par les abeilles. Et puis même que nous, on se bloque pas toutes les 10 secondes parce que... Bon. Parce que bon, ça commence vraiment à nous péter une boule. Bon, je veux pas non plus qu'on fasse des trucs tout carrés et tout ça, mais que ce soit un peu plus plat, qu'il y ait un peu moins d'obstacles. Ça serait cool qu'on fasse de la NASCAR, tu sais, un rond là, un ovale. Ouais. Avec plein d'abonnés. Ah putain, il sait qu'il arrive. J'étais en train d'attendre, moi, et comme une quiche, je vais me faire attraper. Voilà, ouais. Ça va me trouer le... Le bip. Le pantalon. 98 à l'heure derrière toi. Mon pantalon, oui, sauf que t'as pas tourné, garçon. Ben non. Eh oui, c'est ça le et ski. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on se bloque. Encore. Mais je vais pas t'appeler Camille, je vais t'appeler Bloqué, mon gars. Je vais l'appeler Keblo, maintenant. Eh, Keblo, amène-moi le tracteur. Keblo, ramène-moi des tracteurs. Non. Il va me dire non, t'as pas le droit, non. Non, mais c'est pas que t'as pas le droit, là, mais dans ces cas-là, tu la fais pas. Oui, peut-être, mais non. Ah non. Oh, jamais, t'as fait pire. Hein. Oui, dans la vidéo qu'on a. Bref, on va dans passer. La vidéo qu'on a dû refaire à cause de censure. Le censure. Par moi, par peur de se faire supprimer la vidéo. Mais je me suis trompé. Oui, bah putain, il y a d'autres manières de se tromper. J'ai confondu atomiser et un autre mot, je vous laisse deviner. On vous laisse deviner. Et puis bon, il y a eu plein d'autres trucs, donc on a dit bon. Bon, on va peut-être arrêter. Et puis on va peut-être recommencer, surtout. Il y a un mec, pendant qu'on tournait la vidéo, il m'a appelé 6 fois. 6 fois, poteau, 6 fois. Puis il y a un aspirateur qui est venu gentiment derrière moi aussi. Tout seul, comme un grand. Après le Dyson automatique. Non. Je peux même pas répondre. Tu peux fermer ma gueule? Ouais. D'accord, merci. Bon, je pense qu'il devrait pas tarder à arriver au bout. C'est pas que je devrais pas tarder, c'est que c'est déjà fait en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire si c'est pas déjà fait. Et bon, laissez-moi le temps de d'arriver. Je regarde mon nombre de ruches et on arrête. Après, on va s'entraîner en off un petit peu pour les autres véhicules. Et oui! Donc, vous connaissez le programme de notre soirée et de notre après-midi. On va s'entraîner au moins 2 heures. Avec les faucheuses, on n'a jamais réussi à s'entraîner jusqu'au bout. Donc. Y a que moi, j'aurais pu finir le parcours. Hein. Oui. Qui c'est qui a gagné? Non mais je suis nul avec les Mossbot, moi. Autant avec les voitures et tout ça. Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? Il en rajoute. C'est moi qui a gagné. Mais moi je rage pas comme toi. Oui, allez. Et là qu'est-ce que tu fais là? Il a voulu m'écraser et après il me dit bon je rage pas comme toi. Oh, tout ça. Allez vas-y viens m'écraser, je suis derrière l'arbre. Bon allez. Viens petit bambin. Bon, bah sur cette victoire totale de 3 à 2. The winner is. Non, la suite. Dans le prochain épisode. On regarde juste avant, désolé, hein, on sort de la course. On regarde juste le nombre de ruches qu'on a placées. On a placé 804 ruches. C'est pas énorme. Je pensais qu'on en avait placé plus. Bon, c'est déjà bien, vous me direz. Donc sur ce, bah, j'espère malgré tout ça que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, va falloir qu'on fasse une vidéo pour les lire bientôt. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et sur ce, on vous dit à dans 2 jours. Allez, salut les amis. Juste une petite parenthèse, la société qui fait le miel s'appelle Balou. Voilà, c'était une blague de merde pour finir. Allez, salut.